Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunish Morid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Richa Batraim Nechemi, ainsi que le Dorfouat, Avram Mori ben Reut, Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contractuelle 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zvachim, Perektet Mishnah Bet. Ve Eilu im Alu lo Yerdu. Halan, Ve Atame, Ve Ayotse, Ve Anishrat Chutz Lizmano, Ve Chutz Limkomo. ושקיבלו פסולים וזרקו את דמו. רבי יהודה אומר שנשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים אם עלת תרד. רבי שמעון אומר לא תרד. שהיה רבי שמעון אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו, לא היה פסולו בקודש אין הקודש מקבלו. On parle dans tout notre chapitre d'un sujet relativement simple, il faut juste intégrer le principe. Et toutes les mishnayot vont tourner autour du même sujet, définir quand oui, quand non. On parle de quoi précisément? On parle d'une halakha originale. On avait un korban qui était théoriquement pasoul. Et elle a été par exemple impurifiée, un shéretz l'a touché. Et par erreur, un kohen un peu étourdi, il l'a pris, il l'a fait monter sur le misbéach. Il l'a pas encore jeté au feu par exemple. On va dire, mais écoute, si déjà tu y es arrivé, reste-y. Jette-le au feu. Il y en a très particulière parce que, comme on apprenait le peu de la première phrase de la Mishnah précédente, Amisbeach mekadesh et araouilo. Le Misbeach sanctifie ce qui lui est théoriquement permis. On va apporter justement dans notre Mishnah des précisions sur ce théoriquement apte. Qu'est-ce qu'on inclut exactement? On va expliquer tout de suite. D'accord? Bon, donc pour le moment, retenez bien cette halakha. C'est le din de, on appelle le din de Olim. Olin. Les Olin, c'est Imalulo Yerdu. En abréviation, on appelle ça les all-in, ceux qui imalou ou yirdou. D'accord? Le principe, il est donc, imalou, s'ils sont montés, on leur fera pas descendre. Il y a plusieurs à la chôte. Le but de notre Mishnah maintenant va être de définir justement face à, en vertu de quelle cause d'invalidité on va te permettre malgré tout d'apporter le korban. Et la Mishnah d'après va être me dire quelles sont les raisons pour lesquelles tu feras quand même redescendre le korban. Ouais, dans notre Mishnah, on va parler de Ve Elohim Alu Lo Yerdu. Tels sont les korbanot que s'ils sont montés sur le Misbéar, eh ben on te dira, vas-y, continue à les approcher. À les faire, à brûler les varim, par exemple. Alors, quel type? Donc, il y a Alan, le korban qui a passé la nuit. Par exemple, on a égorgé le korban, on a réceptionné le sang, on l'a aspergé comme il fallait. En théorie, on devait prendre les parts qui vont monter sur le Misbéach. Si c'est une Ola, c'est toutes les parts. Si c'est un Khatat, on va parler par exemple des graisses. On doit les faire monter sur le Misbéach. Ce qui s'est passé, c'est que on les a laissés dans un coin de la Hazara, on les a oubliés. Le petit matin s'est levé, on a réalisé, oi oi oi, on a laissé ces membres qui sont là. En théorie, on doit les prendre, les sortir au Bet HaDeshen en dehors du... le Makom HaDeshen en dehors de la Hazara, en dehors du Yerushalayim même, et d'aller les brûler là-bas. Je crois que c'est en dehors du Yerushalayim. On aura l'occasion de le voir plus précisément, d'accord? Les faire sortir de la Hazara pour aller les brûler, parce qu'ils sont inaptes à monter sur le Misbéach. Un Kohen étourdi vient, prend ses parts et commence à monter sur le Misbéach. Il arrive en haut sur le Misbéach, pour le moment, on va pas parler de ce qui se passe par rapport au Kevesh, sur une Mishnah ensuite. Il arrive en haut du Misbéach. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? T'as pris les parts qui étaient. Il est devenu invalidé, il a été invalidé ce korban. Sur ça, on va lui dire, non, puisque tu es déjà arrivé au Misbéach, tu continues à les jeter au feu, il n'y a plus de problème, parce que à Misbéach, mais Kadesh à Tarahuilo. Le Misbéach sanctifie ce qui est théoriquement apte. Si déjà tu es arrivé là, continue à les faire cadeau. D'accord? Quelles sont les causes? Les types, les raisons pour lesquelles le korban a été invalidé, a priori qu'a posteriori, on te dira que si déjà tu es monté, tu pourras continuer à le faire, le korban. Alors on a cette cause, Alan, celui qui a passé la nuit, Atamé, celui qui a été impurifié, une fois qu'on a égorgé le korban, il y a eu un shéretz, un reptile mort qui l'a touché, il est devenu inapte à monter sur le misbéach. Ou encore, Hayotse, celui qu'on a fait sortir, on va parler pour le moment qu'on a fait sortir la chair, le korban, c'était par exemple un khatat, il devait rester nécessairement à l'intérieur des klaïm, et ne pas sortir en dehors. Quelqu'un l'a pris, il est parti l'amener dehors. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un korban, on n'a pas encore apporté les... Tu dois le faire refaire entrer, c'était un khatat, c'était pas un shlamim. Donc il le refait entrer, c'est trop tard. Il a été invalidé le korban. On ne pourra plus le faire monter sur le misbéach. Malgré tout,
halakha particulière. Si on a pris ses parts, on a commencé à les en les monter sur le misbéar, on pourra continuer à les brûler là-bas. Idem, vanishrat chutz lizmano vechutz limkomo, deux cas. Celui, le corban qu'on égorge avec intention de le consommer au-delà des limites de temps permises, le pigoul qu'on apprenait. Regardez, c'est intéressant, le pigoul, ça se veut que c'est répugné. En théorie, c'est répugné. Et malgré tout, une fois qu'il est monté, on te dira de le laisser. Idem encore, chutz limkomo, on a l'intention de le consommer au-delà des limites d'espace permises, en dehors, si c'est un khatat, en dehors des klaïm, des limites du Beth Amikdash lui-même, si c'est un shlamim au-delà de Yerushalayim, des limites permises. Encore une autre, un autre psoul, Veshiki Blou Psoulin, ou bien encore un sang qui a été réceptionné par un pasoul, quelqu'un qui n'est pas un Kohen Kacher. Ça peut même être un Israël, ça peut être un Kohen qui a un défaut, ça peut être un Kohen qui n'a pas ses habits de Kohen, comme ce qu'on a appris, je crois que c'est dans le Perek Bet là-bas. Donc ça c'était Veshiki Blou Psoulin, ou encore Vezarkot Demo, que quelqu'un de pasoul, d'inapte, a versé son sang. Si on réalise qu'on s'est trompé et qu'il ne fallait pas faire ce korban, le korban, on ne devra pas le faire monter a priori sur le misbéar, mais malgré tout, si toutefois on a quand même apporté ses membres en haut de l'autel du misbéar, alors on te dira vas-y, continue à les jeter au feu. Trois cas maintenant que Rabbi Yehuda invalide et que Rabbi Shimon va malgré tout permettre, qui sont Rabbi Yehuda Omer, Shinishreta Balayla, si toutefois le korban a été égorgé alors que la nuit était déjà tombée, après la Shkia. On a gorgé dans la nuit, le korban il est pas soul, il faut nécessairement faire le korbanot en journée. Ou encore, Veshenishpach Dama, le korban dont le sang n'a pas du tout été aspergé sur le misbéar, que le sang s'est renversé par terre. Donc, le korban il est invalidé, il n'y a plus de sang à récupérer pour l'asperger, même si on peut très bien presser l'animal et sortir encore quelques gouttes de sang. On avait appris qu'il fallait nécessairement le Dama Nefesh et pas Dama Tamtzit, si vous vous souvenez, le Dama Nefesh, le sang qui porte la vitalité de l'animal qui sort de lui-même, qui gicle du corps, et pas le sang qu'il faut presser l'animal pour le faire sortir. Donc, Nishpar Dama, le sang a été versé, c'est trop tard, on n'a plus rien à faire avec ce korban, il faut le sortir. Ben, Rabbi Yehuda va me dire, ben sache que, dans ce cas de figure, si toutefois quelqu'un a pris les membres et les a fait monter sur le misbéar, on lui dira de les redescendre. Ou encore, Veshayatza Dama Chutz Leklaim, ou encore le korban, dont le sang est sorti au-delà des limites des klaïm, les limites de la Hazara. On avait expliqué que les klaïm, ça s'appelle par rapport dans le Mishkan provisoire qu'on avait construit quand on était encore dans le désert. Alors là-bas, les limites, il y avait plusieurs limites de Gdusha, le Kodesh HaKodashim, le Kodesh, et ensuite le Chatzer HaMishkan. Alors les limites, elles étaient délimitées par les klaïm. Les klaïm, c'est des rideaux qui séparaient. Du coup, même dans le Bet Olamim, au Bet Amikdash, alors c'était construit en muraille cette fois-ci, malgré tout on appelait ça des klaïm, en dehors des klaïm, d'accord? Donc, trois cas de figure que Rabbi Yehuda nous a dit, sache que pour ces trois raisons de psoul qui sont égorgées pendant la nuit, ou encore le sang qui n'a pas été aspergé parce qu'il s'est renversé entièrement par terre, ou encore le sang qui est sorti au-delà, qui est sorti des limites permises, pour ces trois cas de figure, Im alta tered. Si le korban est quand même monté sur le misbéar, eh ben on ne continuera pas à le faire, mais on lui dira de tered, on le fera redescendre. D'accord? Rabbi Yehuda a déduit ça d'un pasouk. Il y a une insistance dans le pasouk qui nous introduit cette halakha particulière. Zot torat ha'ola hi ha'ola. Zot torah vehi. Trois mots supplémentaires que Rabbi Yehuda va dire pour exclure ces trois cas de figure. Rabbi Shimon Omer, l'entered. Selon Rabbi Shimon, non. Même pour ces cas de figure, si les membres sont montés là-haut, tu continueras à les brûler en haut, au misbéar. Parce que selon Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il faut exclure uniquement? Shaya Rabbi Shimon Omer, que Rabbi Shimon avait disait, Kol shepsulo bakodesh, hakodesh mekabelo. Tant que le problème qui a surgi, je reste proche des mots pour le moment, toute invalidité, invalidation, je ne sais pas comment on veut dire, tout korban qui était invalidé à cause d'un problème de kodesh, dans le kodesh, dans la sainteté, alors à kodesh mekablo, a posteriori, le misbéar qui est kadosh va le sanctifier. Tandis que lo haya psulo ba kodesh, si sa cause de devenir invalide n'a pas été fait à cause d'un problème de gdusha, de sainteté, il avait un autre problème,
Alors, En Akodesh Mekabelo, le Misbeach Kekadosh ne va plus le recevoir, le capter, l'accepter, même s'il avait un problème. On explique, il y a des nuances comme en Rashi dans le Tosot. On va retenir l'objet dans le Tosot. Regardez, dans le Tosot Yom Tov, c'est rapporté succinctement. Tosot, ils nous ont expliqué. Le principe est très simple. Il y a différentes causes pourquoi un korban va être invalide. Il y a des causes intrinsèques au korban. Il est foncièrement inapte à être approché, à être offert, comme ça va être le cas qu'on va voir dans la Mishnah Gimel, des choses qui sont intrinsèquement psoulim. Et il y a des causes dont le korban, en théorie, il est bon. Seulement, il y a eu des problèmes techniques qui se sont produits en route par rapport à la chôte particulière sur la manière d'offrir le korban. On a eu là-bas, on a failli, on a fait quelques petites erreurs, on a dépassé les limites de temps, d'espace, on l'a fait sortir au-delà des limites. Le korban lui-même, il est apte. Techniquement, tu as fait une gourde, une bêtise, tu t'es trompé. Alors dans ce cas-là, le Rabbi Shimon va me dire, sache que c'est psulo, kodesh, a posteriori, c'est caché. À la différence de ce qui n'est pas psulo, kodesh, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, je vous souhaite une journée pleine de Sacha, kol tu sera.